Oui, la Stress 5, la voiture BIP, les bonnes 1351 de la part de Dandy 33 sur la route 4 de Libourne. Il y a quelqu'un. Ouais, les bons chiffres, Dundee. Les bons chiffres de surcouche 3-2. Ça fait plaisir de t'entendre. Ah putain, j'ai juste dit deux mots. Ok, surtout surcouche, les bons 73 à toi. Ben écoute, on reconnaît bien la module, on reconnaît bien le son de ta voix. Je te suis assez sur les divers réseaux. Ok, bon, vu le signal, t'es pas très loin de moi. Là, je suis là, du côté de Benouge. Hein. Je vais attraper là le je sais plus comment il s'appelle, le pont suspendu, hein, le pont levant, je veux dire. Là, je vais en direction de ce pont-là. Quoi. D'accord, ouais, je connais pas Bordeaux là. Là, je suis sur les quais là, le long du fleuve là. Je livre chez un client là, chez Jacques là, un peu en dessous du pont d'Aquitaine. Ok, si j'ai bien vu que j'ai... Merde, attends, si j'ai bien vu, c'est du Santiago 9, là, de mon côté. Hein. Bah écoute, merci pour ton rapport. J'ai pas... prochain tour, hein, je regarderai. Je crois que j'ai le même poste que toi, hein, si t'as toujours celui sur les vidéos, là, le 7009. Hein. Affirmatif, là, tu m'as quasiment fait une pointe à 9 plus 10. Donc là, on est tout près de l'un de l'autre. Hein. Oui, et justement, si ça te dérange pas, là, je suis en train d'en faire une petite vidéo, là. Ah, ok, Dundee, là, il n'y a pas de souci pour... ça ne me dérange pas, hein. Voilà, ben, 9 plus 10, passe 9 plus 20, là, au Santiago, au signal du poste, là. Ok, bon, ben, là, en plus, là, je suis qu'avec la puissance du poste. Alors, attends, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont y arriver? Là, je suis en train de passer là sous le pont là, de chemin de fer là, qui est à côté là, de là où tu es là. C'est assez compliqué là. En plus, toi là, je venais juste à de m'arrêter sur le bas-côté. Je dois aller du côté de Mériadec, hein, là, enfin dans le centre. Et je m'apprêtais à démonter l'antenne au moment même où tu as lancé un appel. Kéké, bah écoute, ça tombe bien. Ouais, je lance quelques appels depuis que je suis arrivé, mais personne, j'étais en train de faire le tour de la galette. J'allais relancer là-dessus, puis peut-être un coup sur le 29, mais j'ai l'impression que sur le 29, il y a encore moins de monde que sur le 19. Oui, parce que j'y vais très souvent sur le 29. Et régulièrement, j'y lance des appels, ça, j'ai jamais eu aucune réponse. Alors, voilà, je suis au rond-point, je suis juste à côté, là,
en bas, pas loin des trucs de bateau, des trucs comme ça là. Ah ouais, bah tu dois être derrière moi là, tu dois être pas loin derrière moi. Ouais, bah écoute, moi le 29, je suis en déplacement sur tout le réseau national. J'ai eu un jour un contact sur le 29, mais bon. Le problème c'est que moi je suis un vieux de la vieille, j'ai mes canaux habituels et le 29, bon, c'est bien pour son groupe, mais c'est au niveau national, c'est pas terrible. Ben, disons que le gros problème chez nous en France, c'est que les gens ne jouent pas le jeu. Voilà, c'est ça, quoi. Ça pourrait fonctionner, mais il faudrait que les gens jouent le jeu aussi, hein. C'est comme pour l'histoire des 40 canaux. C'est pareil, on fait des tours, des contours, des retours. Qu'est-ce qu'on constate? Que les gens restent sur leur canal habituel, sans jamais remonter sur le 19. Autrement dit, ils s'en servent comme radio-téléphone, ni plus ni moins. Et pour tous les autres, eh ben, c'est pas compliqué, ils pestent les 40 canaux pour rester en BLU, enfin sur les canaux supérieurs. C'est vrai que là aussi, c'est un petit peu dommage. Il serait pas mal intéressant que tout le monde joue le jeu, redescende de temps en temps sur les 40 canaux, lancer quelques appels, montrer qu'on est bien là pourtant, hein. Et c'est vrai que quelqu'un qui débarque là-dessus, c'est pas la première impression qu'il a. Et pourtant, les gens sont bien là. Et tiens, toi, là, tout à l'heure, par exemple, là, j'étais là sur. J'arrivais sur Libourne. Parce que bon, moi, j'habite là du côté de Saint-Émilion, question la bataille. Et à chaque fois, quand j'arrive sur Libourne, que je passe là, sur le pont qui enjambe la Dordogne, là, sur la rocade de Libourne, j'envoie un petit bonjour. Tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai eu? Juste quelqu'un qui m'a envoyé un coup de Roger Bip. Voilà. Je lui ai renvoyé la politesse et tout ça, puis non, silence radio. C'est un petit peu dommage. Ah ouais, mais comme tu dis, voilà, c'est dommage, il y a trop de monde timide, ils ont le poste, mais bon, chacun attend son appel de son côté. Ouais, bah, ça ne fera pas avancer les choses. Hein. Voilà, on est encore loin du rendement d'il y a 15-20 ans. Hein. Alors, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, là, la semaine dernière. Je crois que c'est lundi dernier, il me semble. J'étais un petit peu à la bourre. En plus, là, je partais au pro, là, pour une fois en journée, là, j'allais du côté de Mérignac. Hein. Et j'ai passé le pont d'Aquitaine vers les 7h25. Hein. Bon, il y avait peut-être un petit peu un poil de propag, hein, certainement avec. Hein. Mais au moment où j'ai envoyé le bonjour là sur le depuis le haut du pont d'Aquitaine avec un état de la route qui était c'était lamentable, hein, c'était un gros merdier. Putain, mais c'est parti dans une espèce de cacophonie. Il y avait des stations mobiles, un qui était du côté de Brienne, d'autres stations en mille pattes, des stations fixes du côté d'Angoulême. Ça arrivait, c'était une vraie cacophonie, quoi. Putain, j'ai halluciné. J'ai tellement halluciné que j'ai même pas eu le réflexe de démarrer une vidéo pour montrer que, ben si, il y a du monde. c'est qu'un peu plus tard, après avoir bien avancé sur la rocade de Bordeaux, que je me suis quand même décidé. Mais putain, j'étais bleu quand j'ai entendu ça. Je me suis dit, putain, il y a longtemps que j'ai pas entendu ça comme ça, quoi. Ah si, Fermat, je confirme, il y a du monde, parce que des cure-dents, j'en vois pas mal. Hein. Tu m'assureras si je coupe sans parler, là, parce que j'ai le gars qui arrive à la fin du déchargement, donc il va falloir que je repasse sur le quai. Là. Voilà, monsieur Rémi, parce que je connais ton prénom d'OM, là, je t'enverrai un bonjour, je me ferai connaître. Sur le site là, sur ton site là, je t'enverrai un petit bonjour de Jacques, voilà, Jacques sur Couf 3-2, voilà, tu remémoreras. Écoute, après ça, je m'en vais là sur Cestas, chargé du Militaria pour retourner sur Montauban. Là. Voilà Rémi, désolé si j'interromps la conversation, mais le gars il a fini de vider là, il va falloir que je remonte sur le quai. Non, pas de problème, de toute façon là c'est dans la boîte, ton bonjour il est dans la boîte aussi pour tous les autres EM qui vont écouter après les vidéos. Merci à toi pour ce petit coucou, ça a été bien sympa, vraiment là c'était vraiment le coup d'une seconde parce que c'est vrai que je m'apprêtais à défaire l'antenne vu que là je vais aller dans les parkings souterrains là après là dans le centre. Ok, merci à toi et puis bon retour et bonne 73-51 à plus. Allez, merci pour le contact, ciao bye bye 73, bonnes amitiés. Ok, merci, tout ça retourne à nouveau, bye bye.
Alors, il y a des coups comme ça qui sont bien sympathiques. C'est. Et voilà. C'est ça la magie des ondes. Même en local, ça marche. La preuve. Il n'y a pas que en DX que les contacts peuvent être totalement improvisés, en local aussi, comme on vient de le voir là. Et c'est. Ouais. À renouveler le plus souvent possible. Ah, je viens d'entendre quelqu'un. Oui, j'ai entendu quelqu'un dans le lointain, les 2713-51 à la station de la part de Dandy 33 depuis le pont, je sais plus comment il s'appelle, le pont Levent, là, dans Bordeaux. Laurent, on dirait la modulation de la belette. Hachi, les bonnes 73 Laurent et la belette, si c'est toi pour la même occasion. Là, je suis un peu dans les QRM. Là, je m'en vais droit en balade dans le. Je m'en vais à la préfecture, exactement. Hachi, et toi, là, je viens de faire un petit QSO, là, justement, là, juste avant là, de t'avoir en fréquence avec un OM qui était dans les environs, là, à 1000 pattes également. Ah, je sais pas si tu m'entends encore, là moi c'est plus le cas, je suis en plein dans les QRM de la ville. Qu'est-ce que je suis content d'habiter à la campagne, Hachi. Bon, si par hasard tu m'entends encore, car là du coup là j'ai tout allumé. Les 73 à toi et à tout à l'heure, un peu plus tard dans la matinée, suivant le temps que je passais coincé là dans les bureaux. Hachi, sinon ben, à la prochaine et bon week-end, si on se recopie pas. Ouais, je t'ai entendu juste là, 2 secondes. Les 73 à plus tard, et sinon bon week-end. Voilà, c'est vraiment totalement là, inaudible là, de mon côté. Là, je t'ai entendu gazouiller derrière, mais c'est tout pas plus. À plus tard, bonne journée. Hop là, j'ai entendu Coco. Ok Coco, les 73 à toi. Comment vas-tu? Je suis en plein là sur les quais de Bordeaux. En plein dans les QRM, dans le béton et tout et tout et tout. Ah la vache, là c'est complètement, t'es complètement submergé là de QRM là Coco. Ben c'est, désolé, dommage que je t'ai pas eu plus tôt en fréquence. Et ben, peut-être à tout à l'heure, sinon à la prochaine.
Station et station fréquence pour Dundee 33 qui lance appel.
station est assez en fréquence pour Dandy 33 qui l'en s'appelle. Attention la belette ou Nico pour Dandy 33 qui appelle. En 13:51, les stations en fréquence de la part de Dandy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et bonne journée à tous! Ah, j'ai entendu quelqu'un très QRP dans le lointain, là, complètement noyé dans les QRM là, du pont d'Aquitaine. Et 73 la station, merci, route tous à retourner. Attention les stations du canal 29 pour Dandy 33 qui l'en s'appelle. Attention les stations du canal 29 pour Dandy 33 qui l'en s'appelle. Oh ben côté circulation, il n'y a pas grand chose à dire.
Écoute, sans la belette, Nico pour Dati 33 qui vous appelle. Attention, Barracuda 56 pour Dati 33 qui t'appelle. Du guidage. Eh oui, la CB, ça sert à ça aussi. C'est très utile pour ça. Quand on est au GPS, on a...
sûr que j'ai fait bien au moins 10 km de haut, tu vois. Lui, il a écouté son GPS. Il aurait pas dû. Les 73-51 des stations fréquence de la part de Dundee 33 depuis le pont de la rocade de Libourne. Moi j'y suis pas allé, donc je sais pas qui c'est qui a livré, si c'est nous ou quoi, je
sais pas du tout. C'est que des petites sorties, on voit, ils font des purges, ils remettent et puis en avant. Ouais, mais c'est ça, c'est... S'il y a de la merde là où ils purgent, c'est intéressant, tu vois. Ce chantier-là ou quoi, je sais pas.